dièse. Si, la, do, si, la, sol, bécart, fa, mi. Avec le pouce qui descend. Et qui remonte. Alors, il n'y a pas que le pouce qui travaille, il faut que la main, le poignet travaille aussi. Il y a le poids du poignet qui entraîne le pouce. Et la résistance de la corde, il faut jouer avec. On complique un petit peu en alternant le pouce et l'index. L'index restera toujours sur la chanterelle, la petite corde, et le pouce, lui, va descendre. Alors, je vous conseille de laisser le premier accord posé complètement, le deuxième aussi, et ensuite de défaire les doigts progressivement pour retourner vers le mi. On complique encore un petit peu. On va faire ce qu'on appelle un trémolo. Une alternance des trois doigts annulaire, index, majeur qui vont avec le bout de l'ongle et on continue en fait à descendre le pouce de la même façon. Pour que le trémolo soit efficace, il faut quand même aller un petit peu vite, un petit peu plus vite. Et que le thème principal reste plus fort que le trémolo. Et on a une petite variante dans le morceau que je vous ai proposé, l'adaptation de la Malagueña. C'est effectivement, je le fais sur les accords avec les basses. Alors ce qui est intéressant, comme on a les accords qui sont posés, on peut faire en sorte que le trémolo touche les autres cordes cette fois.